Et bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons notre ville après son assaut par les vilains tout moches, qui s'en sont pris une trempe et c'est bien fait pour eux. On essaie de récupérer, on va récupérer d'ailleurs quelques organes. Voilà, ils sont en attente, mais ça ne saurait tarder. Il faudra d'ailleurs s'en occuper tout de suite, il faut plus les nourrir, parce que bientôt ils n'ont plus besoin de nourriture. Hop. On nettoie tout ça. Il va m'opérer Cherio. Broudaf, tu m'as m'opérer Komaru. Hop. Voilà un poumon. Hop. Voilà un deuxième poumon. De chasse. Hop, échec de la chirurgie. Zut. Échoué de manière catastrophique. Ah là là. Poumon amputé. Je manque pas de d'herbe médicinale. Travail ta médecine, maladie infection. Hop. Bon, il y a bien du monde qui va s'en occuper. Voilà. Oh là là, zut alors. Chériot est décédé, c'est tellement dommage. Oh, elle est un peu fatiguée. Elle a un moral un peu dans les chaussettes là. Kroga, non, tu vas d'abord nettoyer cette room et nettoyer cette room. Hop. Broudaf, tu me fais quoi? Transporte un moineau. Ah non, hop. Allez, on opère tant qu'ils sont coupables. Dans 14 heures. Hop. Échec. Stérilisé. Bah dis donc. Pourquoi je peux pas, c'est le bordel. Santé, je peux pas opérer, récupérer le poumon, tant pis. Un rein et allez, un cœur. Tac. J'ai chopé le rein. Broudaf, tu t'occupes de... Mais non, mais arrête de le soigner. Hop, tu vas le tuer. Et tu fais... Oh, t'as que ça à foutre. Je t'ai demandé. Putain, tu te fous de ma gueule. Bordel. Broudaf, putain, mais sérieux? Il me saoule.
Bon, Onyx. Louve des bois. Après un chasse, l'ouri. Bah, il est où l'ouri? Bah, elle va mourir. Drôle. Ah non, elle va pas mourir. Dikino, l'ouri. Attends. Tac. Il va falloir tirer sur la louve. Tac. Et essayer de ne pas se rater. La piote. Help. Il va plus vite. Bim. Bim. Voilà. Finish off. Hop. Tac tac, rajeunissement, oui, bah Célestine, elle attendra un peu, hein. Hop. Croga, il a fini. Il est un peu fatigué, Croga. La chambre est toujours indigne. Bon, je vais te coucher. Ok. Bon, ça c'est fait. Tu as utilisé ta conversion sur... Alors du coup, sur Mangazor. Comme t'es un peu trop vénère. Bim, 80%. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Alors, qui a besoin d'un nouveau poumon? C'est pas Lapine, c'est Bara qui a besoin de nouveaux poumons. Je peux lui installer normalement, greffer un poumon. Hop! Ça c'est fait. Et c'est Croga aussi, je crois qu'il a besoin d'un nouveau poumon. Ah oui, greffer un poumon. Tac. Ça tombe bien, j'ai des poumons. Un chasseur n'a pas d'armes à distance. Bah oui, à force de te taper avec les autres. De sauvage. Bien. Bien, 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 site agricole. Hop, et voilà, ils ont de nouveaux poumons. Elle est pour belle la vie. On remercie nos gentils donateurs. Tiens, d'ailleurs, en fait, il vaudrait mieux que... Parce que là, j'ai pas de table, et là non plus. En fait, ce serait mieux si là, c'était réservé aux prisonniers. Là aussi. Par contre, que là, ce soit affecté aux colons, et là aussi.
Kouproga, tu pourrais aller là par exemple. Où est-ce que j'en suis de mes réserves de tissu 212? Ouais, je vais toujours rester soft. On commence à peu près à voir le jour. Techniquement, ça, je vais l'affecter aussi au colon. Je vais réaffecter papillote ici. Ça et ça, je les détruis. Et ça, je vais le réaffecter plutôt pour des prisonniers. Ça. Où je le remets à Miss Papillote. Voilà. Tac, 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 tac. Ah ouais, attends, le problème c'est que ma bande d'organes en fait elle est là, hors polaire. Très bien. Papillote est pas contente. Ouais, il y a quelques cadavres qui traînent. L'inconvénient en fait, quand j'ai un marchand orbital, je peux pas revendre mes organes. Copier les paramètres. Écureuil, c'est les imprimés. Tiens, justement, si j'avais un peu de viande. C'est qui mon meilleur bâtisseur du coup maintenant? C'est Toshiro. Damnamite. Bon, là j'ai récupéré tout l'acier. Très bien. Très bien, très bien. Oh, papa. Ça replante. Bon, Célestine. Il va falloir que je l'anticipe un peu. Bon, sauf que là, je suis un peu en galère. Un peu con. Hop. Je n'aurai jamais assez pour tout le monde, ça me saoule. 120 d'acier, c'est bon. 29. Pyromane. Alors, le père Zikino qui de nouveau a envie de tout cramer. Ça arrive pas souvent quand même. Avantage, c'est que j'ai suffisamment de monde pour éteindre ces conneries.
qu'il est là, ça risque pas grand chose. Voilà, là c'est un peu plus chiant. Zikinon n'a plus d'un, c'est bon. Bon, on va de nouveau se poser la question. Oui, c'est vrai que je me suis toujours pas occupé de ça, du coup. Risque de démence majeure. Faut dire que j'ai été bien occupé de l'eau. Ah, merde! Oui. Forcément. Bon, échec. Donc, je vais copier les paramètres. Coller. Coller. Pourquoi est-ce que là, il m'a mis... C'est quoi, non? Enfin, ah oui, c'est le truc dont je me suis toujours pas occupé. Tac, coller, coller. Je vais me faire une étagère de plus avec des médocs. Copier, coller, coller. Donc j'ai tac, 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 avec des paramètres de lien et tac, 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 avec des paramètres de lien. Voilà. Bon, on est revenu à peu près à la norme. Célestine qui va venir ici. Toshiro et Musarase sont sortis. Très bien. Célestine, tac, tac, cycle de rajeunissement. Bon, il me faut plus d'énergie d'une façon ou d'une autre. Mes batteries, si là elles sont pleines, ça va. Mais je vais me rajouter des éoliennes. Hop, ici. Et là. Deux éoliennes en plus. Ah merde, je bouffe. Ouais, tant pis pour les... Ah non, sauf que tant du coup, elles vont se gêner l'une l'autre. Annuler. Hop. Est-ce que... Si je la mets là, ça va pas. Faut que je la mette comme ça. Là, ça ira. Ok. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai vu que le coton, finalement, ça pourrait être utile, même si je vais bientôt en avoir moins besoin. Donc, je vais agrandir la zone. Afin que ça colle. Hop. Là, c'est bon. Dans. Tac. Même techniquement, en fait. J'ai pas besoin d'avoir tout ça. On va reprendre. Se refaire une zone de coton juste là. Perdu.
un de plus. Je veux du coton. Tac. Et là. On va rien planter de particulier. Ok, bon. J'ai quand même essayé de les réactiver en partie. Alors, Poslovet, ça réussit quand même trop bien, très bien. Hop. Recruter. Et ben voilà. Barra, deuxième fois. Hop. Deux conversions de suite. Pas mal. Bon, j'ai mon meilleur tireur et ma meilleure mon meilleur cac et ma meilleure tireuse qui sont indisponibles. Croaga qui n'a pas connu mais qui a entendu parler des talents de Dardarine. Onde apaisante, très bien. Scorpicon, très bien. Nickel. Vêtements lambeaux, bah oui, t'as toujours pas récupéré de. Veste renforcée 50%, bah oui. Bien. Alors, tiens, j'ai des armes là, en train de me dire. Mêlée, oui, j'ai beaucoup d'armes maintenant. Alors, 3 ETP bonnes en plastacier. D'acier. Alors, Scorpicon avec marteau de Zeus, ça on va le laisser. Mais ça veut dire que Zmoy, tu vas t'équiper de ça. Damnamit, tu vas t'équiper de ça. Et Papillote, tu vas t'équiper, elle est la troisième de ça. Hop, Moussa Rasé, ensuite tu prendras autre chose. Croaga, tu pourras t'équiper aussi de la même Katsuki. Célestine, elle est en boîte. Mangazor. Oh putain, un siège, aïe. C'est bon, ils ont tous des armes. Oui. Peut-être équipé de meilleures armes à distance. Est-ce que par hasard. Oui, j'en ai. Mitrailleuse médiocre, piston, fusil d'assaut. Et un autre fusil d'assaut. Ce sera quand même mieux. Pour Zikino, par exemple. Hop, équipé. Bon. Alors, les hommes buffles qui veulent me pilonner à distance. Bon. On sauvegarde. Hop. Et on va voir ce qu'on peut en faire avant qu'il ne soit installé. C'est dommage que Célestine, je ne l'ai pas là. C'est fort dommage. 17 en tir, c'est une de ces plus dommages.
Hop. Attends, il faut d'abord que tout le monde se rééquipe. Et ensuite, du coup, attends, Musarazé, Kroga, Akatsuki, on est ici pour récupérer les armes des copains. Hop. Alors, Musarazé, tu as récupéré le couteau en plastacier. D'acier. Hop. Du coup, Kroga, tu vas récupérer la lance en métal. Petit air de Pink Floyd, quasiment. Pour ceux qui écoutent The Wall. Le marteau en uranium, il est là. Ce sera mieux quand même pour Akatsuki. Mais c'est pas mieux pour quelqu'un d'autre là. Si en fait c'est mieux pour Musarazé en fait. Tac. Du coup Kroga il va prendre le couteau et Akatsuki va porter la lance. Hop. Équipe couteau en plastique. Et voilà. Bon. Alors, on vérifie. Équipé. Akatsuki presque. Hop, tout le monde a son arme. Ok. Dès qu'Akatsuki a la sienne, on est parti. Pas laisser de temps aux assiégeurs, aux assiégeants plutôt, de se regrouper. Et de construire quoi que ce soit. Je vais avoir zéro défense, ça va être un peu en freestyle. Je vais re-sauvegarder maintenant que j'ai changé mon équipement. Voilà, protection, ça va être vraiment light. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Il y a un fusil de précision. Achia, chier, m'emmerder lui. J'ai vraiment rien, j'ai que des arbres pour me protéger quoi. Ça va être un peu tendax. Charge de mousse, j'ai grenades à frag qui vont être chiantes aussi. Globalement, il peut me pilonner de loin. Et pas moi. Ah oui, si, Scorpicon, c'est Célestine qui n'était pas dispo. J'attends que tout le monde soit à peu près regroupé. Est-ce que j'en ai un médical qui se déplace plus lentement que les autres? Akatsuki, putain, il est... pourquoi il est à 40% en vitesse là? Ouf! Ouf! Ah ouais! Akatsuki? Akatsuki, tu sais quoi? Vu que t'es quand même pas, je suis désolé de te le dire, mais le mec le plus utile de la base. Si je fais ça. Eh ben, go. Pour 25 jours. Non, à la limite, je vais le faire. Enfin, si, le truc, c'est qu'il sera jamais à temps. Le combat sera déjà terminé que... Allez. On boite. Et en médical, Mangazor, soldat. Qui fait que t'es à... prothèse de bras. Enfin, je vois pour les yeux, l'œil bionique aussi. L'œil bionique, c'est quoi? C'est la vue. Mangazor. Ouais, c'est con parce que la vue, c'est utile pour quelqu'un qui au tir. Mangazor, qu'est-ce que t'as qui... Ah ouais.
Œil droit. Écoute, t'as gagné un œil bionique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Tout le reste, c'est cœur, rein, foie, trois reins. Je vais juste vérifier. Non, à la limite, je vérifierai plutôt après le combat. Hop. Allez, ça commence à construire. Et on est à peu près regroupé, donc on va y aller. Quel genre de portée, ça c'est grand quand même. Ouais. Tac, on va mettre. Lourie, il va falloir que tu t'approches beaucoup. Oslovette, tac. Mangazor, tac. Toshiro, plutôt par là. Broudaf, par là. Onyx. C'est un peu plus court. Hop. Sekino, Morgan, Smarty. Allez, bim bim bim, ça y est, premier échange de tir. Allez, Croaga. Où est-ce qu'il est? Il est là. Bon, tu vas me choper lui. Moussarazé. Tac. Smile. Tac. Papillote, tac, dynamite, tac, scorpicon, il est où? Un peu derrière. Ouchi. Ah merde, il y a une grenade et j'ai pas fait gaffe. Il n'y a plus de grenades, j'espère. Ou si. Il y a deux fusils de précision qu'il va falloir aller chercher. Tac. Bon, Zmoy, tu vas pouvoir aller chercher un fusil de précision. Zmoy. Oui. Tac. Hop. Oh, putain. Deuxième mort. Postlet. Putain. J'avais déjà pas beaucoup de tireurs. Ça tire, ça tire. Ça tire. Bon, il s'enfuit. Fais chier, bordel! Ah, Laurie. Secourir Kroga. Boris, bling out dans 6 heures. Qui a perdu un orteil droit, qui a une prothèse cardiaque. Ça, je manque pas de cœur. Transhumaniste. Hop. Médecin, agriculteur, animaux.
construction. Bon, on va le capturer. Hein. Toi, qu'est-ce que tu donnes? Incisive, travaux manuels. Ça, c'est un peu chiant, travaux manuels. Franchement, c'est un peu chiant. Kank, traînard, jalouse. Oh, bah toi, t'as beau avoir des belles stats. Tu vivras pas, je peux te le dire. Donc Boris, on va recruter pour les autres. Smoy, c'est pas la peine, t'arriveras pas à le choper. Scorpicon, ça sert à rien du coup. T'étais trop loin, trop long. Dynamite, stack. Je vais, de toute façon, je vais disbande tout. Qu'est-ce que je vais faire, toi? Artisanat, tu fais pas agriculture. Qu'est-ce que tu fais de bien? Sociabilité, intello. Et en plus, ça fait, ça crée du grabuge. Ah non. Si, je crois que ça crée du grabuge. Ça entraîne souvent des. Hop. Don d'organes. Hop. Non, capturé. Oudaf. Hop. Ça va être ici. Boris, je sais plus si j'ai fait capturer pour Boris. Pas sûr. N'appartient à personne. Alors, pardon. Là, ça va être pour Boris. Là, ça va être pour le don d'organes. On recommence. On recommence. Donc, Onyx, tu vas me capturer Boris. Non, tu vas me capturer. Machine et Broudaf, tu me captures machin. Et j'ai aucun lit, c'est normal. Donc, ici, j'ai besoin de. Voilà, on va y arriver. Broudaf, tu me captures machin. Et quand j'ai fait ça, je dis que c'est pour les prisonniers. Ça, je le démolis. Et Toshiro, tu vas me capturer Boris pour le recruter ensuite. Hop. Oslovette. Il faut la mettre de toute urgence au frigo. Hop. Tac. Tac. Bon. Sniff, Mangazor, Disband. Sniff, sniff, notre alcoolique repenti a fini de. Tu es mort de quoi? De quoi es-tu mort? La balle de. Ah, le cerveau. Ah ouais, c'est gênant.
C'est Sire qui a tué Poslovet. Heures, 5 heures, 4 heures. Santé, opération. Toujours plus de poumons. Toujours plus de reins. Hop, poumons, reins. Ouais, n'est plus incapable de marcher, parfait. Toi, tu es en conversion. Et toi, tu es en opération. Et opération. Hop. Voyez donc, Roudaf, c'est pas terrible tes opérations. T'as combien de médecine? 12 pourtant. Ah. Nique ça. Roudaf. Qui doit me l'opérer là? Tac. Morgane, tu dors aussi. Croga, Scorpicon. Alors du coup s'arrêter les hop poumons, reins, foie. Scorpicon, t'as combien ah ouais, que 6 en médecine, bof. Il me faut un autre cercueil du coup. Mais non, on arrête de nourrir les gens. Roudaf, c'est opéré. Bien, bien, bien. Deux virgule 7 jours pour la mère Célestine. Et je me suis toujours pas occupé de cela. Faut dire qu'il les enchaîne un peu là quand même. Hein. Onyx, t'es toujours en train de pioncer. Installer un œil bionique, très bien. Yes. Santé. Vu 119%. Boom. Bon, ceci dit, il n'est pas vraiment en mode sniper avec son. Avec son fusil à pompe automatique, mais.
Alors, tiens, en parlant de santé, est-ce que j'en ai pas d'autres qui ont besoin de poumons, de reins ou de... Ah putain, la sous gastro-analyseur qui ne servira à rien tôt ou tard. Rein, foie ou cœur. Hop. J'ai pas l'impression. Mettre mon lambeau pourri, ben je sais, mais écoute, 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 c'est la redoute. Alors, ils s'ennuient. Conversion, conversion, sur. Qui est-ce qui était c'était sur Mangazor. Papillote va me convertir. Mangazor. Soit 72%. Du coup, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'armes? Alors, il y a Croaga qui n'a pas d'armes, forcément. Croaga, tu étais au couteau, si je me souviens bien. Où qu'il est le couteau? Il était bien caché. Parce qu'il n'y a pas de le voir. Équipé couteau en plastacier. Aketsuki, t'es dans une boîte, tu sers pas grand-chose. Langazor, t'es armé. Et eux, normalement, ils ont pas bougé. Ok. Bon. Si j'ai du monde inactif, c'est qu'il est temps d'aller faire une. D'aller vers le village adorateur. Mais ce sera pour le prochain épisode. Je vais juste faire ma caravane. Tac. C'est juste à côté. Donc je vais avoir, normalement, pour l'avoir déjà fait une fois, je sais qu'il faut. Il y a du combat à faire. Tac. Je vais mettre Louis. Je vais mettre Gador. Quelqu'un qui puisse tirer à distance et qui puisse soigner. Hop, Broudaf. Hop. J'ai pas trop besoin de bête de bas normalement. Mais... Ouais, même à la limite, je vais pas m'en... Enfin, sauf si je veux démanteler des trucs sur place. Je vais prendre les 4 dromadaires qui peuvent pas mal transporter. Hop. Allez. C'est parti et on sauvegarde. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous et amusez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao.